tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait qu'on est présentement le 23 juin, puis il est 1h15 de l'après-midi. Et là, si vous aviez déjà pas vu le titre, ben là, bon, vous l'avez vu parce que vous... Bon, c'est ça. Fait que là, je vous annonce la grande nouvelle que je déménage. Je vais vous raconter tout parce que honnêtement, je suis pas mal certaine que ça sort de nulle part pour vous parce que j'en ai jamais parlé vraiment sur ma chaîne puis tout ça. Mais je vous explique l'histoire. Donc là, pour être bien honnête avec vous, parce que là, en fait, si vous le saviez pas, là, moi j'habite comme encore chez mes parents puis tout ça. Et en début 2020, j'ai commencé à checker pour des appartements. Parce que l'affaire, c'est que, mais tu sais, je regardais pas des appartements, mettons, pour comme y déménager, mais plus pour avoir une idée de, mettons, ok, combien tel appartement, de mettons, combien un 3,5 coûte, combien un 4,5 coûte, tu sais, puis genre, si je veux, mettons, quelque chose de plus moderne, ou tu sais, quelque chose peut-être qui est un peu moins moderne, puis tout ça, tu sais, comme, juste pour vraiment avoir une idée de comme, combien que tout ça allait coûter, parce que, ben, en début 2020, j'avais une job étudiante, puis moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'a jamais, jamais, jamais intéressé d'avoir des colocs. Dans le fond, je savais que, tu sais, ben, en n'ayant pas des colocs, tous les coûts sont à moi. Fait que là, l'affaire, c'est que je sais que je voulais avoir une job qui était stable. Puis là, bon, ben, en 2020, il est arrivé ce qui est arrivé. Fait que disons que ça m'a beaucoup refroidi dans ma recherche d'appartement. Puis là, ben, en 2021, j'ai eu, comme si on veut, ma première job d'adulte dans mon domaine, mais que je savais au fond de moi que c'était pas un emploi que j'allais rester super longtemps. Puis là, l'emploi que je suis actuellement, que d'ailleurs, ça va faire un an le 1er août que je travaille là, tu sais, je sens que je vais vraiment faire un long bout avec cette compagnie-là, puis que, tu sais, je suis juste comme bien, genre, où est-ce que je suis en ce moment. Cette opportunité-là, de cet appartement-là précisément, m'est arrivé vraiment très rapidement, puis il faut que je vous explique. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, c'est qu'au début de cette année, j'ai comme recommencé à avoir une amie qu'en fait, ben pour vraiment faire une longue histoire courte, là, on a vu une immense chicane il y a à peu près 5-6 ans, puis on s'était pas du tout parlé, puis là, au début de cette année, on a recommencé un peu plus à se parler, puis à se voir, puis là, on se voit vraiment comme un peu plus souvent et tout. Puis, l'affaire, c'est que son appartement, quand je suis rentrée, j'étais genre « wow, comme c'est vraiment beau ». Puis tu sais, j'aime beaucoup l'immeuble parce que c'est un immeuble avec beaucoup d'appartements, il y a beaucoup d'unités puis tout ça. Puis plus j'allais chez elle, puis plus je me disais « hey, c'est vraiment le genre de place où est-ce que je me vois vivre ». Puis là, tu sais, on s'est mis à parler, je me suis mis à comme y poser des questions par rapport au prix, par rapport à comment qu'elle a trouvé ça, tu sais, d'habiter là-bas et tout. Puis à un moment donné, elle m'a dit « Hey, mais ça tenterait-tu d'aller rencontrer le propriétaire? » Parce que je sais qu'il est là aujourd'hui. Puis là, j'étais comme « Ah, ben oui, tu sais. » Fait que là, j'étais allée le rencontrer, j'ai dit que, tu sais, j'étais intéressée de prendre un appartement là-bas. Puis dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que mon amie, qui habite là actuellement, elle a un 3,5. Puis moi, c'était vraiment le genre de truc que je me voyais parce que j'étais comme, j'ai pas tant besoin d'espace, tu sais, je suis toute seule, puis comme, tu sais, c'est, genre, c'est ça. Puis là, ben, il a pris mon nom en note super sympathique pour vrai, le propriétaire qui s'appelle Yves, il est vraiment fin. Puis, tu sais, j'ai comme un bon feeling, genre. Et là, il m'a appelé peut-être, genre, 3 jours après pour me dire qu'il y avait un appartement disponible le 1er juillet. Mais là, j'étais comme, ça, il m'a dit ça au début du mois de juin. Fait que là, j'étais comme, mais semble que c'est vraiment rapide. Mais là, finalement, il m'a rappelé parce que il s'est rendu compte qu'il pouvait pas finalement le mettre tout de suite en location parce que il y avait quelque chose qu'il devait réparer, puis il savait pas ça allait prendre combien de temps, puis tout ça. J'étais comme, ok, ben tu sais, c'est pas grave, tu sais, on peut garder mes coordonnées pour un prochain appartement et tout. Il m'a rappelé, peut-être comme une semaine après, pour me dire qu'il y avait un autre 3,5 de disponible, mais pour le 1er octobre. Mais là, l'affaire, c'est que ça, il m'a appelé la veille que je suis partie à Charlevoix. Dans le fond, quand je suis revenue, je l'ai appelé, mais ça m'a pris plusieurs jours avant d'avoir des nouvelles de Yves. Puis, ben là, finalement, j'en ai eu mardi ou mercredi. Mercredi. Et là, ben, j'ai été le voir ce matin. Et je l'ai vraiment aimé. Et ben, j'ai signé
pour un bail, pour déménager dans cet appartement-là. Puis je vous le dis, là, au moment où je filme ce clip-là, mes amis les plus proches sont même pas au courant encore. Et j'ai vraiment hâte de voir leur réaction parce que j'en ai pas vraiment parlé à mes amis que chercher un appartement. Factice, c'est comme... Je suis sûre qu'ils vont être super contents pour moi, mais je suis sûre qu'ils vont être vraiment surpris. Fait que c'est ça, puis fait que voilà, on dirait que c'est un peu irréel pour moi en ce moment, là, parce que, c'est ça, je me sens vraiment dans mes émotions en ce moment, c'est comme si j'étais dans mes SPM. Ils sont vraiment genre all over the place. J'ai filmé une vidéo, mais par contre, je la montrerai pas dans le vlog, parce que l'affaire, c'est qu'il y a quelqu'un qui y habite en ce moment, puis je suis comme semi à l'aise de comme... filmer, mettons, des meubles, des biens personnels qui m'appartiennent pas. Fait que bon, ben en fait, je les ai filmés, mais je veux dire, je veux pas les publier, t'sais. Fait que c'est une grande aventure qui commence pour moi. Je suis à la fois fébrile, excitée, contente, mais triste aussi, genre de partir de chez moi, puis tout ça. Mais je sais que comme... Je sais que ça se passe à un bon moment. Pis moi, je le dis toujours, il y a rien qui arrive pour rien dans la vie, pis c'est ça. Mais je voulais vraiment vous drop the bomb en début de vlog, comme ça, on tourne pas autour du pot, fait que attendez-vous à voir prochainement peut-être un petit peu de contenu par rapport à ça, il faut que j'aille acheter des meubles pis tout. Je suis full excitée. J'ai vraiment hâte, honnêtement. J'ai vraiment hâte de commencer à magasiner pour ça, je suis comme full excitée. Pis là, avant que je reparte travailler, dernière chose que je voulais vous dire, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a plusieurs mois, j'avais gagné un concours dans le fond de la YouTuber, c'est Myriam. Puis dans son concours, il y avait des échantillons de bougies de Feu Eco, qui est une compagnie de bougies québécoise. Et j'ai essayé l'échantillon noix de coco. Sérieux, là, ça sent genre vraiment, vraiment bon. C'est fou. Genre, ça sent tellement bon. Puis je trouve ça plate parce que ben, c'est un échantillon, là, ça le dit, là, c'est pour le tester. Mais comme, genre, j'aime vraiment beaucoup cette... genre cette bougie là. Fait que en tout cas, fait que c'est ça. Puis sinon, ben là, c'est pas mal ça. J'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Je pense que je vous en ai assez dit. Fait que c'est ça. Hello, petit update. Il est 8h. Puis là, comme vous pouvez voir, j'ai un masque dans le visage. Puis justement, j'ai fini le masque. Fait que je voulais vous en parler. C'est le masque anti-pollution à la coriandre et à l'extrait d'orange de Kiehl's. Puis en fait, je me suis dit que c'était comme le masque parfait, surtout avec le fait que, tu sais, dans les derniers temps, on a eu beaucoup de fumée, genre des feux, puis tout ça. Fait que je me suis dit, bon, je pense que c'est le bon moment pour ce masque-là. Puis honnêtement, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. La texture est très rafraîchissante sur la peau, ça fait vraiment un effet comme mentholé. Puis non, je l'ai bien aimé, fait que je vous le recommande, surtout si vous êtes comme moi, puis que vous habitez dans une grande ville, où est-ce que la qualité de l'air puis la pollution peut prendre la place, très très pratique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 26 juin. Il est 9h moins quart du matin. Puis là, je voulais vous revenir par rapport à ma fin de semaine. Fait que dans le fond, ben, samedi, c'était le 24 juin. Fait que c'était la Saint-Jean. Puis en fait, nous, on a fait un 2-pour-1. Parce que dans le fond, on en a profité pour fêter la fête Ariel. Parce que sa fête, c'est au début du mois de juin. Puis en même temps, on a fêté la Saint-Jean. Fait qu'on a fait une journée chez Ariel où est-ce que... on a joué à des jeux de société, on s'est commandé de la pizza, on a mangé du gâteau, on a bu des petits cocktails. Fait que c'était vraiment le fun, honnêtement, comme journée, c'était vraiment cool. Fait que c'est ça, puis sinon, ben là, pour ce qui est d'aujourd'hui, premièrement, je voulais vous parler parce que je viens de finir mon matcha qui vient de la maison du thé Chat Noir. Puis c'est le matcha Izu. Sérieux, je l'ai vraiment aimé, c'est un super bon matcha. Puis moi, dans le fond, j'avais pris 100 grammes. Puis pour 100 grammes, ça m'avait coûté à peu près une vingtaine de dollars. Ce que je trouve honnêtement que c'est comme vraiment bon là, pour du matcha parce que si mettons tu te prends genre un matcha dans un café, ça revient autour de comme 7-8$. Fait que mettons que tu rentres dans ton argent assez rapidement avec ça. Fait que là, il va falloir que j'aille à cette boutique-là. Je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui, je verrai là. Mais en tout cas, je vais essayer d'y aller bientôt pour pouvoir me réapprovisionner en matcha. Fait que sinon, pour ce qui est de ma petite journée d'aujourd'hui, ben c'est pas très compliqué dans le fond. Je vais faire du télétravail chez moi. Puis ben ce soir, je vais souper à la Belle et la Bœuf avec deux de mes amis. Après, c'est drôle parce que j'ai regardé le menu puis je me suis rendu compte qu'ils ont enlevé plein d'options VG, genre. Mais bon, c'est pas grave, je sais que je vais pouvoir quand même
manger quelque chose, là. Mais j'étais comme, ah, c'est un peu plate qui a enlevé leur option VG, mais bon, c'est pas grave. Puis, ah oui, c'est vrai, dernière chose que je voulais vous dire avant de vous laisser, c'est que je vous ai parlé, je pense, l'autre jour que j'avais essayé un échantillon de bougie de Feu Éco. Puis là, j'ai essayé l'échantillon Margarita glacée. Je l'avais gagné dans un concours de la youtubeuse C'est Myriam. Puis pour être bien honnête avec vous, j'ai vraiment pas aimé cette odeur-là. Ben premièrement, juste la sentir là, comme ça, sans la brûler et tout, c'est pas vraiment mon type d'odeur. Quand je l'ai brûlée, je trouvais que comme ça sentait vraiment pas tant, genre, fac. En tout cas, je peux pas dire que j'ai capoté dessus, mais l'autre que j'avais essayé, qui était noix de coco, genre un gros coup de cœur, je l'avais comme beaucoup, beaucoup aimé. Fait que bref, moi sur ce, je vais aller travailler. Vas-y, ça filme! Allô, vlog! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait qu'on est présentement le 29 juin. Puis là, il est 9h10 du matin. Aujourd'hui, mes plans de la journée ils ont un peu changé parce que j'étais supposée avoir un tournage ce matin puis cet après-midi. Mais finalement, mon tournage de ce matin, il a été reporté à lundi prochain. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben là, cet après-midi, mon tournage a toujours lieu. En fait, je m'en vais chez Kim, qui est mon amie et collègue de travail. Et on va en fait filmer des contenus pour l'agence parce que en fait c'est très drôle parce que nous on a ben souvent on recommande à nos clients de faire des contenus vidéo et nous-mêmes on n'en fait pas sur nos propres plateformes, fait que c'est un petit peu contradictoire. Fait que là on a comme une série de genre trend, TikTok, inspiration qu'on veut filmer cet après-midi. Fait que je suis sûre que ça va super bien se passer. Kim pis moi, habituellement, on est quand même assez efficaces, mais je pense que ça va être très drôle aussi vu qu'il y a des affaires qui sont quand même drôles. Puis sinon, update, appartement. Donc là, demain, je m'en vais officiellement signer le bail. Fait que ça va comme officialiser la chose. On dirait que je suis comme... Je suis vraiment excitée, je vis comme plein d'émotions en même temps, mais en tout cas c'est vraiment le fun. J'ai pas encore commencé à magasiner pour les meubles, honnêtement j'ai commencé à zioter par contre à plusieurs endroits. Tu sais, je vous dirais que j'ai surtout regardé sur IKEA puis sur Structube, mais si jamais vous avez comme d'autres places à me recommander, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire parce que c'est ça, c'est sûr que je vais faire peut-être un petit peu le tour. Ici et là. Puis là, je voulais vous montrer, je me suis allumée une petite bougie de chez Freya. J'aime tellement cette compagnie-là. Pour vrai, c'est une compagnie de bougies avec de la cire de soya durable. Ah, oh, on me voit ici dans le reflet de du miroir. Puis, ça, c'est l'odeur boisée sucrée. Je l'essaye, là, fait que je sais pas trop à date comment que l'odeur va se disperser dans la pièce et tout. Mais je pense que c'est ma quatrième bougie, si je me trompe pas, que j'utilise de cette compagnie-là. Puis, à date, je les ai toutes aimées. Fait que, puis si jamais vous voulez un 15% de rabais, j'ai un code promo dans la barre d'infos. Je pense que c'est Marpierre15 dans un seul mot. Fait que, voilà, ça vous tente d'encourager une compagnie québécoise. Puis, c'est vraiment des beaux produits, honnêtement. Allô tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est présentement le 3 juin, puis il est 9h du matin. Dans le fond, avant que je commence à travailler, je voulais vous parler un peu de ma fin de semaine, parce que j'ai zéro vlogué en fin de semaine. Puis il y a eu beaucoup d'updates côté appartement. Fait que, premièrement, j'ai acheté mes premières choses pour mon appart. Donc, le premier truc, en fait, c'est que... Bon, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais... Le père de David, il est vraiment bon pour réparer plein de trucs genre électronique puis tout ça. Puis l'autre jour, il a trouvé des télés sur le bord du chemin puis il les a réparés. Puis dans le fond, j'ai dit à David, ah ben peut-être que ton père, s'il veut pas, tu sais, je pourrais comme en acheter une genre. Puis finalement, samedi matin, j'étais allée chez eux puis j'ai pris une télé 50 pouces. Pour elle, elle est... genre immense, je vous la montrerai dans le fond et toutes mes affaires que je vais prendre pour mon appartement vont être entreposées dans le garage. Je me suis acheté un bureau que j'ai pas encore reçu de Amazon, je vais vous mettre une image juste ici, mais dans le fond c'est un bureau qui monte puis qui se lève, puis c'est vraiment le fun parce qu'il y a vraiment des très bonnes reviews, puis c'est pratique parce que sur les côtés il y a deux crochets, mettons pour mettre des sacs, des écouteurs, puis
d'autres affaires. Puis sinon, il y a comme un petit panier en dessous. Fait que tu peux mettre, mettons, genre des fils, des crayons, tu sais, des trucs du genre. Fait que ce bureau-là, en fait, je l'apporterai pas parce qu'il est beaucoup trop gros. Je veux quelque chose de beaucoup plus petit. Fait que ça, je vais le laisser ici ou je sais pas qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec. Je sais pas si ils vont vouloir le garder ou peut-être le vendre. À suivre. Samedi, ma mère est allée voir ma grand-maman. Et ma grand-maman, en fait, m'a donné sa balayeuse parce que, ben, ma grand-maman n'a plus besoin de sa balayeuse parce que, elle, dans le fond, il y a quelqu'un qui va faire le ménage dans sa résidence, genre, une fois par semaine. Fait qu'elle n'a pas besoin de sa balayeuse. Puis c'est vraiment le fun parce qu'elle est compacte puis elle est vraiment, comme, puissante. Fait que ça, c'est genre, c'est vraiment cool. Puis là, sinon, hier, j'étais allée au centre d'achat puis j'ai fait des achats chez Stokes et chez Dollarama. Fait que là, c'est un peu comme pêle-mêle dans le sac. Fait que je vais. Mais je vais vous montrer les choses du Dollarama en premier, puis après ça, je vais vous montrer les affaires du Stokes. Bon, premièrement, je me suis acheté cette magnifique planche à découper. Je sais pas si vous voyez, mais c'est comme un effet de genre faux marbre. Puis en fait, c'est que dans le plancher de ma salle de bain, c'est un peu comme ce. Genre ce motif-là. Fait que ça fait comme un rappel. Puis je trouve ça bien plus beau d'avoir une planche de même que genre une planche toute. Tu sais, genre. Toute blanche. J'ai des pinces, un bac à glaçons, puis c'est vraiment pratique parce que ici, il y a comme une genre d'ouverture, fait que t'as juste à remplir comme ça, fait que ça fait pas genre de dégâts. Un set de 4 couteaux, une louche, une genre de cuillère pour comme servir genre des plats, une spatule, un fouet, des cuillères à mesurer. Je me suis acheté aussi une passoire, donc ça, c'est ce que j'ai acheté pour le Dollarama. Tout ça, ça m'a coûté environ 35$. Puis sinon, je me suis acheté chez Stokes un ensemble de 4 verres. J'ai trouvé vraiment beau, honnêtement, puis il était vraiment pas cher. Il était 10$ pour 4 verres, mais il y a une autre sorte de verre que je veux m'acheter que j'ai vu sur Amazon. Fait que ça va me faire 8 verres, fait que pour vrai, ça va juste être comme parfait. Puis sinon, je me suis acheté un set de 6 verre à vin pour 25$. Fait que voilà, fait que c'est ça que j'ai acheté hier pour mon appartement. C'est vraiment le fun de commencer à faire genre des petits achats ici et là. C'est vraiment cool. Fait que bref, moi là-dessus, c'est comme ça que je vais terminer le vlog. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao!